certain it begins. Never in my life did I imagine it begins. Never in my life did I imagine. Alors, bonjour tout le monde, le fameux micro sur mute, Martin, je pense qu'on est on est damné pour ça à chaque fois qu'on débute un épisode, on oublie toujours le bouton mute. Toujours, toujours. Mais alors, au moins, on tient nos promesses. Oui, attends un petit peu, hein? Je vois à l'écran qu'il y a un petit problème. Ah, t'as partagé la mauvaise fenêtre. Ouais. Quand je dis tenir nos promesses, on avait dit qu'on commençait notre cadence. On vous rencontrait à chaque 3 semaines. Alors, voici 34e épisode. Bon, je vais. Est-ce que c'est correct? Oui, ouais, c'est partagé bon. Oui. Oui, fait que 34e épisode, Martin, vraiment, ça fait plusieurs. Je regardais même les statistiques qu'on a sur Twitch. On est rendu à plus de presque 2000 vues. Donc, c'est le fun, c'est intéressant. 2000 sur super. Plusieurs années, il faut s'entendre. Quand on fera 2000 par épisode, ça va être super le fun. On est encore loin de ces objectifs-là. Je pense qu'il faudrait le faire en anglais pour aller chercher cette quantité de vues-là. Ouais, ça va être correct. On continue en face. Super. Donc, j'espère que tout le monde va bien. En ce vendredi, du moins du côté de Québec, c'est très gris. Je ne sais pas, Martin, à Montréal, qu'est-ce que tu dis? Ça a mal commencé, mais ça semble bien... Bien se dessiner pour le reste de la journée. Super. Oui, ben c'est ça, je pense que c'était le plan là, en fin de journée. C'est supposé s'éclaircir. Fait que ça va être super pour commencer un week-end. Donc, grosse dernière semaine pour nous. En fait, Martin, avec une nouvelle version de Red Hat Enterprise Linux, la version 9 qui est sortie. Donc, c'est le fun. À chaque fois qu'on sort une nouvelle version majeure, on se remet à jouer plus dans Linux et on se remet à parler plus de Linux. Donc, dernièrement, là, j'ai fait plus... ça faisait un petit bout, je n'avais pas fait de présentation, préparer du contenu sur Red Hat Enterprise Linux. Je suis super content de mettre les mains là-dedans. Et tiens, d'ailleurs, peut-être en entrée, Martin, avec qu'on embarque dans notre flow habituel, un petit vidéo que certains de nos collègues ont produit. Vous allez voir la qualité du vidéo. Et là, je vois David qui joue dans mon fichier. David va le partager dans le chat. Je vais le mettre à l'écran. Donc, une vidéo... qui raconte une très belle histoire sur Red Hat Enterprise Linux. Je vous laisse découvrir ça. Fait qu'on, je vous mets ça à l'écran dans quelques secondes. Je ne veux juste pas manquer mon transfert. Donc, on va y aller comme ça. When people think about cars, they think about some of our iconic designs, like the Chevy Corvette or the Cadillac Escalade. The performance, the styling, the sound. When you think about how a car operates, what comes to mind is the drivetrain system and the steering wheel. But Red Hat and GM are looking beyond the nuts and bolts of a car, down to the operating system. Altify is an end-to-end software platform that enables frequent and seamless delivery of software-defined features, applications, and services to consumers of GM vehicles. The importance of integrating the Red Hat in-vehicle operating system with Altify brings a whole new level of development tools. And what's critical about that is it enables even faster time to market. This continuous integration is the transformation of a vehicle that was software-enabled to a vehicle that is now going to be software-defined. Red Hat in-vehicle operating system's mission is to deliver an open, secure, and safe operating system that will serve as the foundation of software-defined vehicles. If we're going to put an operating system in a vehicle, we have a commitment to our customers to ensure robustness and safety and
for us, Red Hat was a key collaborator to achieving it. We are imagining how vehicle platforms can be designed with open source. We really believe this announcement opens up the opportunity to generate excitement and involvement to co-create an automotive community to drive innovation with open source. It's just an exciting time to be in the automotive industry. Et puis, comment vous avez trouvé ça? Martin, toi, tu l'avais Michael, vu. Oui, ben Michael, j'espère que les gens avaient le son. Là. Moi, tu sais, à distance comme ça, c'est difficile. Je n'ai pas le rendu final. Mais vraiment, c'est un super vidéo. C'est très inspirant. Dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est, encore une fois, les logiciels libres. L'open source, comme on dit, vient vraiment apporter de l'innovation à toutes les sphères. Tu sais, souvent, on s'arrête à penser au serveur Linux chez nous, au serveur Windows, à différents assets TI qu'on a à l'interne. Mais là, on va beaucoup plus loin. Maintenant, on va toucher à tout ce qui est IoT. Beaucoup de développement de ce côté-là. Beaucoup de développement du côté industriel, du côté télécommunication. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable d'amener ça dans un véhicule pour vraiment faire la fondation, le système d'exploitation pour les opérations de ce véhicule-là, puis le système de divertissement et tout. Donc, vraiment, moi, je trouve ça super excitant comme nouvelle. Oui, puis dans la vidéo, si vous avez entendu dans la vidéo, là, en fait, moi, il y a une phrase clé là, qui ressort, qui définit très bien ce qu'on est chez Red Hat, puis pourquoi ils ont choisi, en fait, Red Hat Linux pour mettre dans leurs autos. On est stable, on offre une distribution Linux stable, une distribution sécure. Puis c'est quoi le dernier? Stable, sécure et ouvert, je crois. Bref, donc c'est des belles valeurs qui sont emmenées au cœur d'automobile. Puis je devine, là, on commence avec GMC, ça peut-être d'autres véhicules qui vont embarquer avec nous. Mais vraiment, moi, je trouve la vidéo super bien faite, très professionnelle. Hein. C'est pas des gens... on n'a pas payé une firme pour faire ça. Là. C'est vraiment comme je disais tout à l'heure, là, c'est certains de nos collègues là, qui ont pris le lead là-dessus. Donc, super vidéo. Excellent. Donc, c'était la petite intro. Ça met la table. En fait, aujourd'hui, on fait une petite émission spéciale sur Red Hat Enterprise Linux 9. Donc, on a des petites nouvelles qui sont en lien avec ça ou pas. Mais bref, on a comme notre flow habituel. Donc, on va y aller avec les prochains événements, Martin. Donc, trois événements à venir. Trois événements Ansible. Donc, ça va dans la thématique de la dernière épisode. Donc, on commence avec un workshop. Le prochain workshop, enfin, on est dans une série de workshops qu'on a commencé dans les bureaux de Montréal et à Québec aussi. Donc, Ansible Network, c'est le prochain. On vient de terminer une vague de workshops Ansible Windows qui s'est très bien passée. Il y a eu des très bons commentaires. Oui, donc, tout à fait. On y va avec une vague de bonnes vagues. On va commencer avec un pour voir comment ça va se comporter avec Ansible Network. Le 16 juin, ça va être à nos bureaux de Montréal. Et je ne sais pas, David, si tu peux nous mettre ça dans le chat. Je suis en train de regarder. Oui, c'est bon. Sinon, on est en train de discuter déjà du prochain Ansible Network qu'on veut livrer, possiblement avant l'été, sinon ça va aller à l'automne. C'est Ansible Security. Donc ça, c'est un nouveau workshop qu'on n'a pas donné encore. Donc c'est pour vraiment le volet security du côté d'Ansible. Donc je pense que ça va être super intéressant. Et finalement, le 9 juin prochain, on a Ansible Automate, qui a lieu à Frisco, au Texas, qui va être en mode virtuel aussi. Dis-moi, Michael, oui. Ansible Automate, là, est-ce que ça remplace le Ansible Fest qu'on est habitué de voir? Ah, OK. Peux-tu nous expliquer La différence entre les deux, Martin, c'est une bonne question, très bonne question, mm-hmm. La différence entre Ansible Fest et Automate. Ansible Fest, à l'origine, c'était pour les développeurs Ansible. Le but, c'est de se rencontrer une fois par année pour parler des défis qu'il y avait avec Ansible, comment on peut l'améliorer, d'échanger de l'information. Puis finalement, l'événement a pris de l'ampleur. Puis là, maintenant, tout le monde est invité au Ansible Fest. Mais l'Ansible Automate, c'est vraiment un événement qui vise les gens qui utilisent Ansible ou qui veulent utiliser Ansible. Donc, c'est vraiment plusieurs sessions pour apprendre différentes choses sur Ansible. Donc, super. David va nous mettre le lien dans le... Je pense que c'est déjà fait. Oui, super. Merci, David. En passant, peut-être présenter David. Veux-tu y aller, Martin? Tu connais oui. Bien, David? Vas-y donc, présente-toi. Ben oui, c'est ça. Fait que là, David, là, il est dans l'ombre. Pauvre David, là, il est là à modérer le chat puis à mettre les liens. Puis merci beaucoup, David, d'ailleurs. Donc, David vient de se joindre à Red Hat. Moi, j'ai travaillé longtemps là, dans mon ancienne vie là, avec David.
dans différentes sphères, toujours au niveau entreprise, travailler au niveau automatisation, on a travaillé au niveau développement, réseautique, et évidemment, on a travaillé beaucoup ensemble sur Kubernetes, OpenShift. Donc David, en tout cas, félicitations, bienvenue dans l'équipe, là, ça fait quelques semaines, là. Je suis bien content que tu fasses partie de l'équipe. Peut-être juste un petit mot sur les sessions Ansible. La semaine passée, pas la semaine passée, mais à la dernière dernière vidéo, on a parlé beaucoup d'Ansible. Il y avait des workshops aussi à ce moment-là. On en reparle encore aujourd'hui. Écoutez, il y a une raison pourquoi il y a autant d'emphase qui est mise sur cette plateforme-là. Écoutez, on parle à des clients toute la semaine, à longueur de semaine. On le voit partout, vraiment, l'automatisation, elle n'est pas un choix aujourd'hui. C'est vraiment, c'est un requis, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Avec nos TI qui grandissent, avec notre adoption vers le cloud, on se retrouve avec tellement d'éléments gérés, à gérer par les équipes d'opération, sans outils d'automatisation, sans plateforme qui est capable d'être extensible à vraiment tous ces nouveaux assets-là. Je pense que c'est quasi impossible d'y arriver. Puis le choix d'un logiciel libre ou d'un produit basé sur le logiciel libre devient encore plus important pour justement pouvoir supporter toutes ces nouvelles technologies-là qui arrivent et donc tirer profit de l'innovation. Effectivement, bon point, Martin. Bon point, merci. Précisé. Donc, prochaine section, les nouvelles et trouvailles, quelques petites choses intéressantes. Martin, on commence avec une grosse nouvelle dans le domaine, dans notre domaine en fait, qui est l'acquisition de VMware par Broadcom. Alors, Martin, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette acquisition-là? Bon, ben, écoute, quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. Je pense, en tout cas, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. J'ai fait des petites recherches. Écoute, je ne tiens pas la vérité. Je veux pas me faire poursuivre ou quoi que ce soit. Mais ce que j'en comprends des fameuses nouvelles que je lis, c'est que Broadcom a quand même une suite de logiciels établis. Je pense qu'ils veulent peut-être donner beaucoup de visibilité à ces logiciels-là. Et ce qui est écrit, en fait, dans une des nouvelles que j'ai lues, c'est que tout ce qui est sous l'umbrella software de Broadcom, ce que j'en comprends, c'est que ça devrait être rebrandé sous l'umbrella de VMware, probablement pour améliorer la visibilité. Évidemment, Broadcom a tout intérêt à se doter d'une plateforme comme VMware. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être un succès? Bon, on le sait pas. Mais clairement, dans la stratégie cloud hybride, eh bien, il y a un gagnant pour l'instant, puis c'est Datt. Donc, on va les laisser avancer avec cette acquisition-là. Effectivement. Écoute, ça fait parler 61 milliards de dollars. C'est quand même énormément d'argent. Beaucoup d'argent. On va souhaiter à Broadcom qu'ils réussissent à rentabiliser cette acquisition-là. Enfin, nous aussi, on s'est fait acquérir là, 2 ans par IBM, un gros montant aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire après 2 ans qu'IBM ne regrette pas du tout son choix. Au contraire, on a toujours le vent dans les voiles, comme tu dis, au niveau du cloud hybride. Je pense qu'on est on domine en ce moment. Donc, donc on va souhaiter une bonne chance à Broadcom avec sa nouvelle acquisition. C'est ça, exactement. Puis tu sais, le succès d'une acquisition, vraiment, là, ça part par le processus qui est mis en place. Comment cette acquisition, là, c'est vraiment dans le comment. Qu'on verra si l'impact va être positif ou négatif. Excellent. Parfait. Merci, Martin. On y va avec la prochaine nouvelle. Une autre nouvelle super intéressante dans notre domaine, pour ceux qui ont manqué la nouvelle, qui date de quelques semaines, du 11 mai, en fait. Donc, c'est Nvidia qui a décidé d'ouvrir les sources de ses drivers, de ses modules de drivers du kernel Linux. Moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle parce que vous savez, en Linux, lorsqu'on installe un ordinateur qui a une carte NVIDIA, bien, c'est des drivers, les drivers open source à la sauce NVIDIA s'appelaient Nouveau. Ce que ça s'appelait, c'est pas dans le passé, c'est toujours le cas. C'est ce que j'utilise en ce moment, d'ailleurs, sur mon laptop. J'ai toujours pas transitionné au driver NVIDIA propriétaire. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils les ont ouverts. C'est la moitié d'une bonne nouvelle parce qu'ils ont ouvert la moitié de leurs choses. En fait, il y a tout le set d'outils qui est autour de ça qui malheureusement est resté fermé. Mais au moins, on a le module du kernel
qui devient ouvert. Et Martin, je pense que ce que ça va faire, on va le voir dans les prochaines releases des drivers NVIDIA, peut-être que ça va s'intégrer mieux là, dans le kernel. Parce qu'à l'heure actuelle, là, moi, ce qui me retient un peu d'installer les drivers NVIDIA sur mon laptop, c'est qu'il faut que j'empêche, il faut que je bloque les mises à jour du kernel. Couple de petites pirouettes à faire pour l'installer aussi. Fait que ça me bloque un petit peu là-dessus. Pas que j'ai pas les compétences requises pour le faire, mais c'est juste que c'est mon ordinateur avec lequel je travaille, que je vis tous les jours avec. Et de commencer après une mise à jour, que tout est cassé ou que l'interface ne marche pas, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que j'attends. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle ici. On devrait voir le code des drivers NVIDIA s'améliorer là, dans les 10 prochaines versions. Je suis convaincu. Tu me déçois, Michael. Moi, j'étais convaincu que ton ordinateur, tu avais tout compilé, chacun des logiciels qui étaient sur ton ordinateur. Non, on s'amusait à compiler à l'époque, Martin, à l'époque de Gentoo ou Linux from scratch. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé ça parmi vous. Là. Moi, dans mes débuts avec Linux, on s'amusait vraiment à tout compiler. Là. Je me souviens d'avoir installé Gentoo puis vraiment de m'amuser à compiler, mais ça fait son temps. À un moment donné, on a besoin de temps, puis toujours compiler, ben, on perd beaucoup de temps à compiler. Donc. Mais bref, c'est le fun quand même de compiler ces affaires, parce qu'on apprend plein de choses, comment c'est construit, entre autres. Moi, j'enseignais au Cégep dans le passé, Martin, puis dans un des cours, je montais Linux from scratch aux étudiants. Donc, vers la fin de la deuxième session, Linux, je lui montrais un petit peu là, comment Linux était construit en utilisant Linux from scratch. C'était super le fun. Mais, wow, ouais, super. Excellent. Fait que prochaine nouvelle, prochaine trouvaille, c'est toujours dans le domaine, on va rester dans le monde du domaine graphique. Et là, je ne mettrai pas le vidéo, là, mais je vais me fier à David qui va le mettre dans le chat. Donc, Martin, on a relâché RHEL 9, mais on a aussi relâché, voilà, quelques semaines, Fedora 36. Fedora 36 déjà? D'ailleurs, oui, c'est ce que j'utilise sur mon laptop en ce moment. J'ai fait la mise à jour, ça s'est super bien passé. Donc, on va mettre un petit lien dans le chat. En fait, c'est pendant le release party de Fedora 36. En fait, il y a une espèce de party avec plusieurs sessions en ligne. Il y a quelqu'un qui a fait une super belle présentation sur l'état du gaming, du jeu vidéo, en fait, dans Fedora. Donc, State of Gaming. C'est quelqu'un qui fait des tests de performance avec des graphiques par-dessus les jeux qu'il joue pour montrer qu'il y a eu une belle évolution au niveau du jeu sur Linux. Donc, je pense que ça peut être à cause beaucoup. Je ne sais pas si Martin, tu connais un petit peu le monde du jeu, là, mais Steam a sorti une nouvelle console de jeu basée sur Linux. En fait, c'est Linux qui roule en arrière comme système d'exploitation. Je pense que ça a aidé beaucoup au développement du jeu vidéo sur Linux. Donc, j'invite à aller voir la présentation. C'est vraiment intéressant, très technique. Et on voit que les jeux en Linux aujourd'hui, les jeux AAA qu'on appelle, on peut les rouler maintenant en Linux et ça roule très, très bien. C'est une excellente nouvelle. Ouais. Ça donne plus d'options aussi aux gens, tu sais, au niveau de la plateforme de leur choix. Tu sais, le monde du gaming, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Je ne peux pas chiffrer le nombre de joueurs, là, mais si le monde du gaming balance du monde Windows vers Linux, ça va être un afflux de beaucoup de monde qui va venir contribuer à Linux. Fait que c'est juste bon pour nous autres, là, définitivement. Excellent. Prochaine nouvelle, Martin, on a quelque chose sur Ruby, je te laisse discuter. Oui, finalement. Donc, Red Hat UBI, Universal Base Image, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une image de conteneur qu'on va utiliser comme base pour construire nos conteneurs. Okay? Pourquoi on va utiliser cette base-là? Bien évidemment, c'est une base qui a été validée, c'est une base qui a été sécurisée. Elle est montée selon les bonnes pratiques pour justement déployer un conteneur. C'est une base aussi de conteneur qui est très, très, je sais le terme en anglais, mais lightweight, donc très, très petite, donc parfaite pour les conteneurs. Le problème, étant fourni par Red Hat, le seul moyen d'avoir accès à ces images-là, c'était de passer par registry.redhat.io. Pour passer par Registry Red Hat.io, bon, évidemment, ça prenait un compte et il fallait configurer nos systèmes pour se connecter. C'était gratuit. Tout le monde peut se créer un compte sur Red Hat puis aller télécharger l'image. C'est pas un problème. Mais vraiment pour accélérer l'adoption de ces images-là, pour s'assurer, là, finalement, qu'on cause pas une surcharge aux développeurs qui veulent l'utiliser. Maintenant, l'image, elle est sur Docker Hub.
Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant pour utiliser une image UBI, c'est de faire, exemple, Docker pull Red Hat slash UBI 9, UBI 8, bref, la version que vous voulez. Et automatiquement, vous n'avez pas à spécifier de registre ou quoi que ce soit. Ça va télécharger l'image, ça va l'exécuter, ça ne posera pas de questions. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Oui, effectivement. Distribution de RHEL à plus grande échelle. On rajoute un nouveau repos. Puis RHEL UBI, ben, je pense que tu l'as mentionné, mais juste pour le rappeler à tout le monde, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'aucun abonnement à Red Hat pour le consommer. Donc, si vous voulez développer une application en container, vous cherchez une image de base, vous voulez quelque chose de stable et de sécure, ben, allez-y avec RHEL UBI. OK, super. Donc, prochaine nouvelle qui est... en fait, je vais vous présenter à l'écran. C'est un podcast que j'ai déjà mentionné à plusieurs occasions dans nos épisodes, Martin. D'ailleurs, c'est si vous avez écouté ma première épisode sur Twitch, je mentionne que c'est... en fait, l'idée de faire ce Twitch-là, ça vient de ces deux personnes-là, deux collègues chez Red Hat, des gens que j'ai côtoyés souvent dans le passé. Deux personnes qui étaient dans mon équipe là, quand j'ai commencé chez Red Hat, donc Dave et Gunner. Donc, c'est ils tiennent des podcasts. Ils sont un peu comme nous autres. Là. Ils sont censés avoir une cédule, mais difficile des fois à respecter avec toute la charge de travail qu'on a. Donc, mais bon, bref, dans une de leurs derniers épisodes, ils font une interview avec Dan Walsh. Dan Walsh, on le mentionne aussi souvent dans nos épisodes, Martin. Donc, c'est un des... qui a été contributeur longtemps à SE Linux et qui est un des développeurs maintenant qui a créé une alternative à Docker appelée Podman. Donc, dans ce podcast-là, Dave et Gunner font une interview avec Dave sur le livre qu'il est en train d'écrire, donc sur Podman, donc Podman in Action. Et en même temps, il donne plein de faits sur Podman. Donc, on apprend entre autres dans ce podcast-là que les contributions, le niveau d'activité de Podman a dépassé celui de Docker sur GitHub. Donc, très intéressant de voir que Podman prend de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de personnes qui contribuent. Donc, plein d'autres petites choses qui présentent. Je vous invite à aller l'écouter. C'est super, super belle interview. Dan, qui est déjà passé à Québec et Montréal à deux reprises dans les Red Hat User Group. En fait, Red Hat User Group une fois, puis pour le Red Hat Day à Montréal et Québec une seconde fois. Donc Dan aime ça beaucoup venir au Québec, il aime les gens au Québec. Et je compte le réinviter éventuellement dans le courant de l'année prochaine pour les rugs sur site qu'on planifie là, pour l'automne. Si vous avez la chance de participer à une session de Dan Walsh, puis d'être surtout en présentiel, vous allez voir, c'est extraordinaire. Premièrement, son charisme, sa présence, je veux dire, c'est un excellent présentateur. Au-delà de ça, il va vraiment vous expliquer au niveau sécurité les fondements des différentes technologies. Tu sais, SE Linux en est une, mais Docker, l'architecture, qu'est-ce qui cloche avec ça? Pourquoi Podman? Pourquoi les différents outils autour de Podman? C'est hyper intéressant. Encore une fois, si vous avez la chance, sérieusement, allez le voir. Oui, puis c'est une personne vraiment sympathique aussi. J'ai eu la chance de faire le voyage Montréal-Québec avec lui là, lorsqu'on avait couvert le rug ensemble. Quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un de très humble aussi. Je lui disais qu'il était une vedette, mais il dit non, je ne suis pas une vedette. Je dis oui, tu es une vedette. Tout le monde te suit, tout le monde veut t'écouter. Quand il fait des conférences, comme tu dis, Martin, les salles sont bondées. Mais pour lui, c'est pas ça qui est important. Lui, il traite vraiment la technologie, développer de la belle technologie, puis il le fait très, très bien chez nous. Là. C'est un de nos passionnés chez Red Hat. Deux heures avec Dan Walsh, t'as pas dû t'ennuyer. Non. Du tout. On a parlé plein de belles choses. Super. OK. C'est bon pour les trouvailles. Martin, oui, il y avait Podman Desktop. Ben... Puis en fait, on apprend dans ce podcast-là qu'il y a un nouvel outil qui s'appelle Podman Desktop. Je te laisse en parler, Martin. Ben c'est ça. En fait, tantôt, là, je vais faire une petite présentation. Mais en gros, c'est que Podman, maintenant, a une version desktop. Bon, OK, les gens vont dire, OK, on a copié peut-être un peu ce qui se passait du côté de Docker. Je pense pas qu'on parle de copie ici. Là, je pense plus qu'on parle de répondre à la demande. Donc, on a une petite interface graphique maintenant pour visualiser les conteneurs, les initiés. On est au stade de développement, clairement. Quand je l'ai installé ce matin, là, pas plus tôt que ce matin. Puis, ça fonctionne sur Mac, ça fonctionne sur Mac M1.
ça fonctionne évidemment sur Linux et Windows. Mais c'est ça, comme je vous dis, c'est une belle avancée pour Lucy. Je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à venir aussi qui s'en viennent avec ce desktop-là. Bon, ben écoute, Martin, ça transitionne vers la prochaine prochain sujet, qui sont les dernières sorties chez Red Hat. Depuis 3 semaines, on n'en a pas eu des tonnes, mais on en a eu quand même une grosse qui est Red Hat 9, entre autres, le 18 mai, que je vous parle dans quelques minutes. Mais avant d'embarquer dans Red Hat 9 plus en détail, Martin, je te laisse annoncer l'autre sortie importante chez Red Hat. Oui, merci, Michael. Puis, en fait, on va parler de... On vous a déjà parlé de Advanced Cluster Security. Je pense même qu'on en a parlé la dernière fois. On a vu l'outil. Vous avez regardé au niveau sécurité, qu'est-ce que ça l'amenait. Et je pense que, juste pour vous le rappeler, en fait, ce qui est arrivé, c'est cet outil-là est issu d'une acquisition que Red Hat a faite. Donc, Red Hat a fait l'acquisition de la compagnie qui s'appelle StackRox. Donc, Red Hat a suivi son modèle de développement, a suivi sa promesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait suite à l'acquisition, qui était du logiciel propriétaire, fermé à code fermé? On a pris le code source, validé, vérifié et tout, et on l'a envoyé sur la communauté. Et donc, on a utilisé un nom super original pour la communauté sur GitHub, StackRox. Donc, StackRox, c'est le nom de la communauté. Advanced Cluster Security, c'est le nom du produit commercial issu de cette communauté-là. Donc, encore une fois, on suit le modèle. Michael, tu veux que je monte un petit peu? Oui, qu'est-ce qu'il y en a? Oui, un petit 2 minutes. Oui, je peux partager mon écran? Oui, excellent. Allez, vas-y. Clique là-dessus. Et on fait... Et voilà. Donc, est-ce qu'on voit mon écran? Non? Je pense que j'ai manqué. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Non, là, ça devrait être bon. Là, on voit, oui. Donc, oui, parfait, excellent. Donc, avant que je me lance dans ACS et StackRox, tout tantôt, j'ai parlé un petit peu de l'outil, là, Podman Desktop. Donc, vous voyez ici, regardez, ça, c'est celui de Docker, celui de Podman est ici. Donc, j'ai une machine virtuelle en arrière-plan, évidemment, parce que je roule sur un Mac et non pas sur Linux. Je me retrouve avec ce petit desktop-là, très, très léger. Donc, je peux voir quels sont les conteneurs qui roulent actuellement sur ma machine. Donc, si je faisais le Podman PS, vous voyez, j'ai mon conteneur qui est ici. Donc, je peux le voir avec l'interface graphique et justement me connecter dans le conteneur là, puis aller faire mes commandes. Donc, c'est un beau petit outil justement pour nous donner un visuel de ce qui roule sur notre machine. Et on a les images ici qu'on peut aller télécharger et tout simplement cliquer sur une image et faire « play » pour démarrer le conteneur. Donc, très, très simple à utiliser. Très, j'ai juste le mot « convenient » en tête, désolé. Donc, si on retourne à notre sujet au niveau de la communauté StackRox, donc regardez ici, github.com, StackRox, la communauté StackRox qui est là. Tout le code source est ici, si ça vous tente d'aller collaborer. En fait, c'est l'objectif ici, c'est de vraiment influencer les gens à collaborer sur la plateforme. Donc, moi, j'ai regardé ça encore une fois. J'ai regardé ça ce matin, j'ai dit, bon, comment je peux déployer ça? Si vraiment, j'enlève mon chapeau rouge, même je peux garder mon chapeau rouge, mais tout en me disant, OK, on a fait une version qui est supposé fonctionner sur n'importe quelle version de Kubernetes. Donc, écoutez, j'ai choisi un cloud comme ça au hasard. Je me suis monté un environnement Kubernetes sur Azure, donc AKS. Donc, encore une fois, là, rien d'associé à Red Hat directement. Et j'ai dit, tiens, je vais suivre les instructions qui sont là. Donc, git clone, cd stackrox deploy.sh. OK, la preuve, encore une fois, je ne vous mens pas. J'ai... où est-ce qu'il est, là? Ah, voilà, deploy dans deploy.sh. Bon, ça l'a déployé toutes mes ressources dans mon cluster AKS dans ce cas-ci. Donc, si je fais c'est get pods-n stackrox. Là, j'ai tapé la commande OC. Là, il y en a qui vont me dire non, je pense que tu me montres sur OpenShift. Mais en fait, parce qu'OC, c'est kubectl, là, vous le savez ça, ben, sur kubectl, ça peut vous faire plaisir. Moyenne StackRox, hein?
Ben oui. Donc, vous voyez, c'est, tous mes éléments sont, ont été déployés. Et puis, une fois déployés, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, un dashboard très, très similaire à notre version entreprise. Hein. Ça, c'est la version brandée Red Hat. Ici, on a la version StackRox communautaire. Et donc, évidemment, je peux aller voir différents éléments, tout comme, exemple, la connectivité réseau, les violations au niveau des différentes politiques qui ont été mises en place, mon niveau de conformité de mon cluster, gestion de vulnérabilité. Bref, tous les éléments que vous retrouvez dans ACS, vous pouvez aller explorer la version communautaire. Encore une fois, qui dit communautaire, dit version de développement. C'est mon lab, c'est ma version de dev. Hein? Faites attention à ça. Donc, on ne devrait pas utiliser ce genre d'éléments-là en entreprise, surtout pas en grande entreprise. Donc, on va plutôt aller vers une version qui est certifiée, qui a été validée, et puis qui va vous donner justement peut-être des fixes de vulnérabilité plus rapidement. Et finalement, autre point, là, j'avais oublié d'ouvrir cette fenêtre-là, la version qui est entreprise s'installe via un opérateur. OK? Donc, c'est quand même, en termes de simplicité d'opération, d'installation, on va se retrouver avec une bien meilleure expérience quand on va utiliser, exemple, la plateforme OpenShift pour aller dans les opérateurs, aller cliquer ici Advanced Cluster Security et tout simplement l'installer et le déployer sur notre cluster. OK? Ici, moi, ce que je vous montre, c'est la version difficile ou la version où j'utilise les derniers développements de cette plateforme-là. Maintenant, pourquoi c'est important le logiciel libre? Écoutez, je suis allé voir un petit peu les issues. Vous pouvez aller ici là, dans GitHub, aller voir les issues. Puis, première chose que je remarque, c'est qu'il y a quelqu'un ici, il y a 18 jours, donc c'est quand même intéressant que la communauté est ouverte, et il demande, est-ce qu'on pourrait ajouter le support de deux nouveaux systèmes à l'intérieur de ACS ou à l'intérieur de StackRox. Et donc, ce que ça nous dit ici, puis là, je suis allé voir la personne, puis bon, la personne travaille pour une entreprise qui est sûrement client de Red Hat. Ce que ça nous donne, là, c'est que le client de Red Hat qui utilise son produit a un lien direct avec les développeurs, avec la communauté. Et donc, les clients, nos clients, peuvent influencer le développement des produits qu'ils achètent. Alors, c'est un gros différenciateur, contrairement, exemple, à une offre de code fermé, propriétaire, où je dois passer par tout un processus beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe. Donc ça fait le tour. Ça fait le tour de mon côté. Je vais arrêter mon partage, Michael. Oui, vas-y. Parfait. OK, alors désolé du petit pépin technique, je m'en doutais un petit peu. Comme j'avais mentionné dans le début de la première diffusion avec Martin, je suis toujours sur des drivers nouveaux. Je pense m'occasionne des petits plantages comme ça, surtout quand j'utilise OBS. En dehors d'OBS, ça va bien. Alors, c'est soit les drivers qui causent ça ou soit OBS. Donc, il faut que je creuse ça. Donc, désolé de la petite coupure. Donc, Martin ne se rejoint pas à la session puisque Martin a une rencontre à 1 h. Donc, je vais quand même terminer ce que je voulais faire avec vous, c'est-à-dire vous parler de REL 9. C'était le sujet principal. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens se reconnectent. On est à quelques personnes qui s'est connectées. Donc, désolé encore le petit problème technique. On va essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. super. Donc, on est rendu quelques personnes de brancher. Je ne sais pas, David, peux-tu me dire si tu es revenu? Peut-être juste me faire un petit coucou dans le chat pour dire que tu es là. OK. Alors, ce qu'on voit à l'écran, tout le monde, bienvenue dans REL 9. Donc, on est actuellement, ce que j'ai fait, j'ai installé une machine virtuelle avec REL 9 à l'intérieur. J'en ai une autre avec REL 8. On pourrait utiliser pour faire des petites comparaisons. Donc, première des choses, peut-être vous dire que la distribution REL 9 a un nom de code appelé, peut-être que vous en êtes aperçu, je crois qu'on le voit. Si je fais un cat Red Hat Release ici, oui, on a le mot PLO qui est ici, PLO en anglais qui est
je pense, qui est une pelle pour déneiger ou l'action de déneiger. Bref, ça vient des développeurs. En fait, comment ça fonctionne, le processus de sélection du nom de code pour une release? C'est un vote de tous les développeurs de RHEL. Donc, ils choisissent le nom avec un... Je devine qu'il y a des propositions. Et ce nom-là a été retenu en l'honneur d'un développeur, une personne qui est restée longtemps chez nous, peut-être que vous avez connu, qui est Tim Burke, en fait. Et c'était le surnom qu'il donnait à une portion de l'Appalachian Trail, ou à l'Appalachian Trail directement. Là, je n'ai pas tout à fait saisi l'histoire en arrière de ça, mais bref, c'est lié avec l'Appalachian Trail. Donc, c'est en l'honneur de Tim Burke qui a été longtemps chez Red Hat. Donc, c'est le nom, d'où là vient le nom de RHEL 9. Autre fait intéressant avec RHEL 9, autre fait intéressant, tantôt, Martin, on parlait de timing. Donc, c'est le timing qui est intéressant au niveau de RHEL 9. C'est exactement 3 ans après la mise en disponibilité de RHEL 8, en fait. La journée que RHEL 8 est sortie, c'était au mois de mai en 2019. Donc, 3 ans plus tard exactement, RHEL 9 sort. Donc, c'était une promesse qu'on avait fait, en fait, avec RHEL 8, qu'on allait avoir une cadence plus régulière de version mineure et de version majeure. Puis, je suis très fier que l'équipe ait respecté ça, parce que ça fait 13 ans que je suis avec Red Hat. Et des versions majeures, on avait vraiment de difficultés à respecter les cédules. Maintenant, avec RHEL 9, on a tenu notre promesse. Donc, 3 ans pile pour voir apparaître Red Hat 9. Autre fait intéressant à propos de RHEL 9, un bel accomplissement, puis on en a parlé, moi et Martin, dans des épisodes précédents, c'est... j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je parle, oui, il y a des jeunes branchés. Gênez-vous pas, laissez quelque chose, dites-le dans le chat, là, je garde un œil sur le chat, pour être sûr que tout est correct. Donc, ce que je disais, autre accomplissement qu'on a fait avec... RHEL 9, c'est que c'est la première version majeure qui est basée sur CentOS Stream. Donc, des choses qu'on avait parlé, moi et Martin, dans le passé. CentOS Stream, projet CentOS, qui a une nouvelle direction, qui fait maintenant partie intégrante du processus de développement de RHEL. Donc, avec CentOS Stream, on prend une version de Fedora et on crée le flux qui va devenir Red Hat Enterprise Linux. Et CentOS Stream, ben, c'est le projet open source de RHEL 9 qui est là. Et RHEL 8 aussi, dans CentOS Stream. Donc, vous pouvez participer à chacune des versions mineures si vous voulez voir ce qui s'en vient. Il suffit de suivre CentOS Stream, tout simplement. Donc, on est très fiers de ça. Donc, ça fait que la version 9, c'est la version la plus ouverte de RHEL qu'on a jusqu'à présent, parce que là, le processus de développement est ouvert. Dans le passé, c'est un processus de développement qui était plus interne à Red Hat. Maintenant, n'importe qui peut participer. Et j'avais mentionné dans des Twitch précédents qu'un des principaux contributeurs à CentOS Stream en ce moment, en dehors de Red Hat, c'est Facebook. Donc, Facebook utilise massivement CentOS Stream, donc contribue par le fait même à RHEL 9, bien sûr. Super, merci David. Quoi d'autre? Vous voyez l'interface, le look and feel de l'interface. Si vous avez joué un petit peu avec Fedora, ça se ressemble beaucoup. Bien sûr, c'est GNOME qui est là, c'est un GNOME 40 qui est là. C'est pas tout à fait la dernière version. Mais c'est une version beaucoup plus polie. Aussi, le moteur graphique est en arrière. On a fait comme Fedora, on a switché de Xorge à Wayland. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement fluide quand je me promène dans l'interface graphique de RHEL. On n'attend pas beaucoup, là, comme vous pouvez voir, c'est assez rapide. Donc, c'est super pour ça. Donc, on a une belle expérience desktop avec RHEL 9. Ce que vous voyez en haut, là, je l'ai modifié un petit peu. Là, j'ai les principales monnaies virtuelles ici que je suis, le Bitcoin, Solana, puis Ethereum. Le marché de la crypto se fait malmener en ce moment. Bref, je suis ça avec ces petites applettes-là. C'est des petites applettes, pas des petites applettes, mais des extensions de GNOME. Pardon. Qui sont très faciles à installer. Là, je peux vous en montrer quelques-unes qui sont intéressantes, que j'utilise à tous les jours pratiquement. Donc, celles qui sont installées. Bon, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas aller. Petit problème, évidemment. Le démon des démos qui est avec nous. On va aller dans Firefox. Des fois que Firefox, ça marche mieux. Donc, GNOME extension. Il y a vraiment des petites extensions très cool avec GNOME, là, en passant. Voyez-vous, là, je pense qu'on va les voir. Oui, on les voit ici. Donc, voici celles qui sont installées. Donc, Bitcoin Market, c'est elle qui me donne des valeurs en temps réel de mes cryptos.
Clipboard Indicator, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est qu'on peut faire du copier-coller et ça garde un petit peu trace de tous les copier-coller que j'ai fait. Donc, je peux revenir dans les différents copier-coller que j'ai fait. Donc, c'est bien pour ça ici. Sinon, on a un petit outil pour faire des screenshots que j'adore. Ça permet de sélectionner une petite partie de ma fenêtre et je peux la copier par la suite puis la mettre dans mon document. Donc, c'est une petite extension que j'adore dans Gnome. Très pratique, là, j'utilise vraiment régulièrement. Et Clipboard aussi, qui est le fun. Là. Surtout que le copier-coller là, dans Linux, c'est pas parfait. Là. Des fois, on pense qu'on a copié puis ça n'a pas copié pour X raisons, dépendamment de la méthode dont vous l'avez faite, avec quelle application. Donc, d'avoir cette petite application-là qui gère nos copier-coller, là, je trouve ça intéressant. Donc, quoi d'autre avec RHEL 9? Oui, on va regarder ensemble le kernel. Donc, le kernel, on est passé d'un kernel 4, je crois que c'est de mémoire, avec RHEL 8. On pourra aller voir tantôt. Je ne vais pas me lancer dans n'importe quoi. C'est 4 quelque chose. Donc, on est passé à 5.14. Qui dit changement de kernel dit, ben, supporte plus de périphériques, bien sûr. Donc, on a un kernel plus récent. Donc, ça, c'est intéressant. En fait, dans le processus de développement de Red Hat, ce qu'il faut savoir au niveau des versions majeures, on ne touche pas au kernel. On ne touche pas, en fait, à la structure ABI de Linux qui comprend le kernel, les glibc et d'autres librairies nécessaires au bon fonctionnement de l'OS. Pourquoi on ne touche pas à ça? Mais tout simplement pour ne pas casser les certifications logicielles et matérielles sur notre plateforme. Donc, un manufacturier qui certifie son logiciel pour une version de RHEL, par exemple version 9 ou 9.1 ou 8.3, ben à chaque version mineure, l'ABI n'est pas touchée, donc sa certification ne devrait pas être cassée. C'est sûr qu'il y a des cas particuliers, mais sachez que c'est une garantie qu'on donne aux manufacturiers. On est la seule distribution Linux à faire ça sur le marché aujourd'hui. Donc pendant tout le cycle de vie majeur, on ne touche pas au kernel, on ne touche pas. Oui, vous allez voir les versions mineures de mineures monter, c'est normal. On va faire des corrections à l'intérieur du kernel, on va même faire ce qu'on fait, on est très bon à faire chez Red Hat, backporter des features, des versions plus récentes dans le kernel actuel, dans le but de ne pas casser les certifications. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le catalogue de certifications logicielles et matérielles avec RHEL, c'est le plus gros sur le marché parce qu'on offre cette stabilité. Il y a d'autres distributions Linux dans le domaine commercial qui, eux, presque à chaque version mineure, changent de kernel. Et vous devinez ce qui se passe avec les certifications logicielles. Ça se casse. Donc, c'est un désavantage. On n'a pas changé ça avec RHEL. Système de fichiers, si on regarde qu'est-ce qu'on a comme système de fichiers par défaut, je pense qu'il y en a qui vont être contents d'apprendre. Je vais faire juste un grep, de slash, l'autre, juste pour vous montrer qu'est-ce qui ne va pas là. Je pense qu'il faut que je mette, c'est parce que c'est en LVM. Il faut que je mette juste. Non. Aller trop vite. Donc, on est resté en XFS, donc pas de changement à ce niveau-là. Depuis, en fait, RHEL 7 qu'on roule avec XFS. C'est toujours le même système de fichiers. On a voulu. En fond, le système de fichiers, c'est une partie critique du système d'exploitation. Vous comprenez, lorsqu'on change, on peut introduire l'instabilité, la corruption de fichiers. On veut éviter ça dans un système de fichiers. Pour un système d'exploitation entreprise. Donc, on a gardé le même. Il y a eu des discussions à ce qu'on passe à ButterFS. ButterFS qui est le portage de XFS, pas XFS, ZFS du monde Solaris. On l'offre dans Fedora en ce moment. Je pense que c'est celui par défaut, même quand vous installez Fedora. Par contre, on a jugé chez Red Hat que ce n'était pas encore assez stable pour l'entreprise. Donc, on a décidé de rester, de ne pas faire de changement pour RHEL 9, de rester en XFS. Parce qu'avec XFS, je pense qu'on a des bonnes. Bonne stabilité, une bonne performance aussi. Donc, on n'a pas touché à ça. On n'a pas pris la chance pour l'instant. Peut-être pour RHEL 10, qui sait. Donc, c'est pas vraiment un changement. Juste vous mentionner qu'on est resté avec le même système de fichiers. Yum, qu'est-ce qui se passe avec Yum? Yum qui est le système de paquetage. Donc, si je fais un where is dans le fond de Yum, ça, c'est pas une nouveauté de RHEL 9, là, mais juste vous montrer. Si je fais un ls maintenant, mon l. De user bin room, yum, pardon. Vous allez voir que ça pointe sur DNF. Donc, c'est DNF qui est là, comme dans 8. Okay? La commande yum fonctionne encore.
parce que c'est un lien symbolique. OK, mais je vous dirais, commencez là, à faire le switch, du moins dans votre tête, délaissez Yum, appelez-le DNF, parce que là, ce qu'on a fait avec REL9, c'est pas dans l'OS, mais c'est dans la documentation de REL9. On a commencé à tout changer ce qui touche à Yum pour mettre DNF à la place. Donc, autant s'habituer avec DNF. Moi, j'aurais avec DNF, avec Fedora depuis plusieurs releases, et j'arrivais sur REL, puis REL8, c'était correct, mais REL7, ça fonctionnait pas. Mais REL8, DNF fonctionne, et REL9 aussi. Donc, faites le switch mentalement, je vous recommande, parce que dans la doc, c'est ce qu'on a fait. Là, on a vraiment tassé Yum. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai fait l'historique un petit peu pourquoi on a fait le switch entre Yum et DNF, mais rapidement, là, pour revenir là-dessus. Yum, le créateur de Yum a eu un accident. En vélo, je pense en se rendant au travail, il y a une couple d'années, il est décédé et ça l'a remis en question un petit peu le projet Yum, et on a décidé de repartir sur d'autres bases avec DNF. On n'a pas changé grand-chose, c'est les mêmes switches, mais on a amélioré beaucoup DNF, on le rendait plus modulaire, plus rapide, et ainsi de suite. Donc c'est l'histoire en arrière de Yum et DNF, pourquoi on a changé. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je que ça va dans le chat, c'est bien. On a quelques personnes encore en ligne. Super. Donc, je poursuis. Qu'est-ce qui a changé dans REL9? Une autre chose, je pense qu'il va toucher plusieurs d'entre vous, c'est la configuration réseau. Donc, je vous montre le fameux répertoire dans lequel tous les sysadmins vont faire un tour lorsqu'ils configurent, installent du moins leur version Linux, c'est aller jouer dans le répertoire etc, sysconfig network script pour aller adapter sa configuration réseau. Là, si je fais un list, vous l'avez vu, il n'y a plus rien, c'est complètement vide. Donc, on a passé vraiment à NM Network Manager, la ligne de commande. Donc, c'est l'outil utilisé pour configurer, manipuler ces cartes réseau. On a vraiment mis de côté l'ancienne méthode qui est là depuis des années dans Linux. Donc, vous pouvez utiliser aussi NMQI si vous préférez avoir une petite interface. Mais bref, en REL 8, on pouvait utiliser l'ancienne méthode. Maintenant, en REL 9, on a vraiment retiré cette façon-là de configurer les réseaux. Je sais que ça va peut-être en choquer. On va dire, non, je vais garder cette version-là. Mais bref, il faut passer à autre chose. C'est vraiment avec Network Manager qu'on va poursuivre le développement de REL et Fedora. Donc, il faut s'habituer avec ces nouvelles commandes-là, tout simplement. Quoi d'autre? Au niveau automatisation du système d'exploitation, eh bien, on a Ansible qui vient, qui est disponible. Ce qu'on a fait comme changement avec REL9, c'est qu'on a utilisé la nouvelle façon dont Ansible est packagé, donc Ansible Core ou Ansible avec les collections. Donc, on a fourni avec la plateforme Ansible Core. Vous n'avez pas de répertoire, pas de repo à rajouter. Il suffit juste d'installer, faire un DNF maintenant. Bon, n'oubliez pas, c'est pas Yum. Donc, DNF install Ansible Core, tout simplement. Moi, il est déjà installé. Bon, faut que je passe en sudo. Donc, il est déjà installé. Il va me dire qu'il existe déjà, mais c'est aussi simple que ça pour installer Ansible. Donc, ça vient maintenant par défaut dans l'upstream de base de REL9. Vous pouvez l'installer et commencer à automatiser avec. Faites attention, le use case pour utiliser Ansible Core qui vient avec REL est limité. Donc, on ne peut pas utiliser, on pouvait l'utiliser d'une façon technique, mais pour automatiser des choses externes à votre REL ou l'utiliser pour configurer, par exemple, un firewall ou une switch réseau, ça va fonctionner, mais d'un point de vue de support, le Ansible qu'on livre avec la plateforme, c'est pour automatiser l'OS sur lequel vous travaillez. Donc, qu'est-ce qu'on prône le plus? C'est l'utilisation des system roles. Donc, j'ai fait un petit exemple ici, justement, avec un firewall. Donc, les system roles, ce sont des rôles qu'on livre avec la plateforme. Avec la plateforme REL, qui vont permettre de configurer, en fait, différents services en utilisant Ansible. Pendant des années, on est resté assez stable avec un 7-8 system role, mais depuis un an environ, ça a explosé, là. On a eu beaucoup de demandes clients à ce niveau-là. Donc, on a bonifié un petit peu les system roles. Puis, je vais juste vous montrer lesquels sont inclus maintenant avec la plateforme. Je vais juste aller dans le bon répertoire. Là, je l'ai copié dans mon document ici pour vous le montrer.
Donc, dans ce répertoire-là, vous allez voir les systèmes nodes qui sont là. Ils ne sont pas installés par défaut. Il suffit juste d'installer URL System Role avec DNF pour avoir accès à ces systèmes nodes. Mais regardez, il y en a plusieurs. Donc, il y en a un peu pour tous les services principaux de REL, ce qui vous permet, dans le fond, de transformer un peu votre OS en software defined OS. Dans le fond, vous configurez tout dans vos inventaires Ansible. Qu'est-ce que vous voulez avoir, par exemple, comme port d'ouvert? C'est quoi les variables de SLUnix que je vais mettre en place? C'est quoi la configuration réseau? C'est quoi, ici, vous voyez Grafana, MySQL, la configuration SSH, tout se fait dans les rôles Ansible. Et l'exemple que je vais montrer ici, ben, c'est le firewall. Donc, dans l'inventaire, comment utiliser les system roles, je l'ai déjà montré dans un Twitch précédent, mais juste pour vous montrer ici, c'est un inventaire en fait qui inclut ma machine locale. Je mets les variables et en fait, je vais ouvrir le port HTTP. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire. Et après ça, ben, j'ai un playbook à écrire qui est firewall.yaml qui appelle le role, le system role tout simplement. Donc, si je roule ce fichier-là, ce playbook-là, avec l'inventaire qui est ici. Donc, ça va ouvrir tout simplement le port. Et oups, je vais juste vous montrer avant. Firewall, cmd, list, all. Oups, on demande mes droits. Utilisateur, admin. Je pense que j'ai mis le bon mot de passe. Et évidemment, j'ai trop de mots de passe. Bon, le dernier, je vais avoir le bon. Voilà. Donc, je vois que, oui, HTTP était déjà ouvert. Bon, je l'avais déjà roulé, mais je voulais juste vous montrer qu'en faisant l'ancien system role avec Ansible, ça allait ouvrir mon port. Dans ce cas-ci, il n'ouvrira pas. On aurait pu le changer dans le fichier juste pour le fun. Mais bref, montrer qu'on utilise Ansible, la puissance d'Ansible pour configurer notre machine, pour définir la configuration dans un fichier, tout simplement. Donc, si j'ai une machine à remonter, ben, j'ai déjà toute ma config de fait dans mon fichier. Et j'utilise Ansible pour configurer la machine. Donc, il y en a plein. Vous avez vu tantôt la liste. C'est super intéressant. Sachez que les system roles sont développés par nos ingénieurs chez nous. Donc, il y a déjà les bonnes pratiques d'intégrer dedans, un peu comme les opérateurs dans OpenShift. Martin et moi, on prône et qu'on parle régulièrement. Donc, on a le même principe avec les system roles. Quoi d'autre? Ce qui est le fun avec les Linux system roles, ce sont... En fait, ils sont agnostiques au niveau des versions. Donc, si vous faites cette config-là, puis vous la prenez, les deux fichiers que j'ai créés ici, vous les emmenez sur REL 8, bien, ça va fonctionner. Parce que dans le rôle, les ingénieurs, on détecte la version et appliquent les bonnes commandes pour ouvrir les ports, tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser le même playbook pour différentes versions de REL. Vous n'avez pas à vous soucier d'en dessous comment ça se passe. Donc, c'est vraiment un bel ajout. Une belle amélioration dans REL. Je sais qu'il y en a qui hésitent à l'utiliser. Je parle à des clients, puis ils me disent « Ah, moi, les rôles, trop compliqués, je comprends pas comment ça marche. » Prenez le temps de regarder. C'est vraiment très, très simple. Notre fichier d'inventaire, les paramètres qu'on veut passer, et le rôle les applique pour nous, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là, ça va. On a encore quelques personnes. Je vais juste prendre mon téléphone. OK. Non, effectivement, je vois des gens à l'interne qui se demandent si j'ai fini. Non, avec le petit problème technique que j'ai eu, là, je vais étirer un petit peu. Puis, je voulais vraiment livrer le contenu REL 9. Il m'en reste à peu près pour quelques minutes avec vous. Parce que c'était le sujet aujourd'hui. Puis, je sais qu'il y en a qui avaient hâte à l'émission pour voir les nouveautés de REL 9. Attendre de parler de REL 9. Donc, je prends le temps de le faire. Donc, quoi d'autre? Je viens de vous parler des Linux System Roles qui sont super intéressants. Podman. Je vous parle de Podman. Donc, Podman qui est notre outil de container, en fait, pour remplacer Docker. Donc, on est à la version 4. On a upgradé la dernière version de Podman. Ce que je vais vous montrer, on peut juste vous montrer rouler un container avec Podman, à quoi ça ressemble. Donc, lancer un terminal interactif en appelant Fedora. Ce qui est nouveau, en fait, dans Podman version 4, c'est qu'on peut appeler les noms courts. Avant, ça prenait les noms plus longs. Donc, juste en appelant Fedora, il va chercher
la dernière version. Donc, si je fais un cat ATC Fedora, vous allez vous montrer, je suis dans le container directement. Donc, Podman Run IT, c'est IT, c'est un terminal interactif directement dans l'image. Donc, juste vous montrer que ça fonctionne. Donc, aussi simple que ça. C'est les mêmes commandes, les mêmes switches pratiquement que Docker. Ce que je vais vous montrer qui est vraiment intéressant, je pense que pas beaucoup de monde sont au courant. Donc, si vous développez avec Kubernetes, avec Podman, ce qui est le fun, j'ai un fichier de définition Kubernetes qui est ici. Est-ce que je peux rouler ce fichier de définition Kubernetes-là avec Podman? Absolument. C'est une des beautés, justement, de Podman. Donc, à l'aide de Podman, j'ai juste une commande à taper pour rouler ce fichier de définition Kubernetes-là. Ici, actuellement, je vois deux images qui vont démarrer. Donc, on va les démarrer, on va les lancer ensemble. Donc, avec Podman Play, tout simplement Kubernetes et mon nom de définition de fichier qui est ce fichier-là qui est ici. Donc, c'est comme ça qu'on appelle avec Podman. Oups. Capable de définir. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Je vais copier ma commande. Je vais aller vite, des fois qu'on est en démo, puis je vois que le temps avance aussi. C'est peut-être le nom, j'ai pas copié comme il faut. Qu'est-ce qui accroche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit qu'est-ce qui accroche? OK, c'est le répertoire, c'est beau, c'est bien. C'est comme ça, il faut que je l'appelle. Bon, je vais la voir. OK, donc ce qu'on voit, c'est que Podman lit le fichier YAML Kubernetes, voit qu'il y a des images, télécharge les images et va exécuter les images. Donc, mon application va rouler en arrière-plan. Bien sûr, je ne serai pas en terminal interactif, mais c'est la beauté. Donc, ce qui est le fun avec Podman, c'est que si je travaille avec OpenShift, j'ai un projet dans lequel j'ai utilisé un fichier de définition YAML j'ai un petit blanc, là, je vois les gens qui me pingent. Fichier de définition YAML pour le déployer, mais je peux l'utiliser avec Podman tout simplement. Fait que je vais le laisser rouler, juste vous montrer quelque chose de bien aussi avec RHEL 9 et aussi RHEL 8 pour faire la suite de ce que je voulais vous montrer. C'est la console web. Donc la console web qui est ici. Je vais compléter comme la mot de passe. Donc rien de vraiment majeur dans la console web qui est cockpit. Je vais juste prendre avantage, comme j'en parle, de juste rappeler qu'un des développeurs de cockpit, c'est une intelligence artificielle. Donc, je trouve ça super cool. Donc rien de, je dirais, de majeur au niveau, hormis que, oui, il y a des nouvelles capacités à l'intérieur de l'interface. Juste vous mentionner, que je ne l'ai pas installé ici, là, mais LibVirt que vous connaissez, ou Virt Manager que vous connaissez, pour lancer des machines, va être déprécié dans RHEL 9. Il faut vraiment utiliser maintenant le cockpit pour lancer, gérer vos machines. Et regardez ici, j'ai Podman qui est là. Donc, les containers que je viens de lancer sont en train de rouler en ce moment. Ça fonctionne super bien. Donc, Martin vous a présenté tout à l'heure le client Podman, mais dans le cockpit, on a quelque chose de très, très bien aussi. Donc, je peux aller voir la console et me connecter dans la console directement des containers qui roulent. Donc, c'est le fun, là, c'est de pouvoir gérer nos containers à l'aide de cockpit. C'est pas nouveau, c'était disponible dans 8, mais juste vous montrer que ça a été porté, ça continue de vivre avec RHEL 9. Quoi d'autre? Je vais vous montrer au niveau de l'interface. Vous êtes en RHEL 8, vous voulez passer en RHEL 9. Comment on fait ça? Eh bien, bonne nouvelle, on va juste changer de système d'exploitation. On va aller en 8. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Je vais passer à 8, je pense que oui, c'est bon. Donc, j'ai une machine en 8 ici. Juste vous montrer. OK, qu'est-ce qui se passe avec RHEL 8 si je veux migrer à RHEL 9? Eh bien, dans la console, le cockpit. OK, on va aller juste démarrer cockpit. Ça va vous montrer un petit peu en même temps comment ça fonctionne. Sudo. Start cockpit un socket. J'ai juste pas démarré ma machine avec mon plantage de tantôt. Là, tout est arrêté. Donc j'y vais avec ça. OK, donc cockpit est démarré. Donc on va rafraîchir ici. Donc j'ai mon cockpit.
AAA. Les fameux mots de passe. Donc, j'ai installé ce qu'il faut pour migrer. Donc, j'ai un petit, une petite nouvelle onglet ici. Donc, l'outil, l'utilitaire qui me permet de faire ma migration de 8 vers 9 s'appelle Leap. Donc, je roule les commandes Leap tout simplement et les rapports sont affichés dans l'interface de la console web. Donc, je peux voir ici que cette machine-là, ben, il y a des petites choses que je devrais peut-être porter attention avant de migrer de 8 à 9. Mais la migration de 8 à 9, sachez qu'elle est supportée dès maintenant. Donc, ça vous prend un REL 8.6. Vous devez mettre vos REL 8 à 8.6, la dernière release en fait. Et après ça, on peut les passer à 9 avant de rouler... rouler l'utilitaire Leap afin qu'elle vous montre est-ce que je vais être capable, est-ce que quand je vais migrer, est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent accrocher. Donc, on a beau petit rapport conçu dans l'interface qui est bien pour ça. Quoi d'autre, si je retourne à REL 9, au niveau sécurité, des choses intéressantes qui ont été ajoutées. Je passe en plein écran, toujours plus fun d'être en plein écran. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ben, grosso modo, si je fais un SSH root sur localhost, OK, j'arriverai pas. En fait, ça ne fonctionnera pas. L'accès root SSH a été désactivé par défaut. Donc, dans REL 8, c'était toujours possible. En fait, il fallait le configurer pour le désactiver. Mais dans REL 9, maintenant, c'est impossible de se connecter en root à la machine, à moins d'aller changer les configurations. J'espère que personne faisait ça avec REL 8, laissait ses routes accessibles à distance comme ça. Mais bref, sachez que dans le comportement de REL 9, au niveau sécurité maintenant, ce n'est plus possible de se connecter en route. Je dis que ce n'est plus possible. On peut toujours le configurer, mais par défaut, ce n'est plus le comportement. Et finalement, dernière petite chose au niveau sécurité, dernière petite chose pour l'émission d'aujourd'hui, je pense que ça va être assez, on a dépassé le temps, c'est au niveau d'une capacité que REL, je ne pourrais pas la démontrer, là, mais qui permet en fait de valider l'intégrité du système d'exploitation avant de démarrer. Donc, on appelle ça Integrity Measurement Architecture, IMA. Vous irez jeter un œil, vous irez lire sur ça. Donc, c'est intéressant dans des environnements hyper sécurisés. S'assurer que mon OS n'a pas été compromis avant de le démarrer. Donc, ça, c'est une belle nouvelle capacité ajoutée à REL 9 qu'on n'avait pas dans le passé. Sinon, dehors de ça, d'autres capacités intéressantes, vous irez voir du côté Edge. Je peux mettre un lien dans le chat. Est-ce que j'ai accès au chat d'ici? Je pense pas. Je vais le mettre dans le lien vidéo de YouTube. En fait, j'archive tous les vidéos des épisodes. Je vais mettre sur YouTube dans le commentaire. J'ai de la misère. Désolé. Sur une technologie qui s'appelle FDO. Vous irez voir ça au niveau Edge. C'est la gestion Edge. En fait, REL, on peut déployer REL sur des périphériques en périphérie. Ça fait drôle à dire, là, mais c'est la traduction informatique en périphérie sur des petits devices. J'en ai fait la démonstration voilà quelques épisodes, là, je pense que ça fait presque un an. La technologie a évolué beaucoup. Donc, on a un nouveau projet qui s'appelle FDO. Si vous tapez ça dans YouTube, sinon je mettrai le lien dans mon vidéo. Il y a un autre product manager qui en fait les démos, donc être capable de connecter notre REL qui est en périphérie à un système de gestion de machines en périphérie. Donc, on a cette démonstration-là qui est disponible aussi. Donc, ça met fin à ce que je voulais vous présenter sur REL 9. Je sais qu'on ne révolutionne pas le monde du système d'exploitation avec REL 9. Par contre, c'est une belle mise à jour. Plusieurs composantes ont été mises à jour, dont le kernel, vous avez vu tout à l'heure. C'est un rafraîchissement au niveau de l'interface aussi, comme vous avez pu voir. Podman aussi qui a évolué. Donc, c'est une belle évolution. Non, je ne dirais pas une révolution. Comme je disais en début d'épisode, 3 ans pour livrer REL 9, c'est beaucoup moins qu'on a eu avec REL 8 ou REL 7. Donc, eux ont eu beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités. Vous comprendrez qu'en moins de temps, on va rajouter moins de fonctionnalités. Je dirais le gros défi, ça a été de passer le développement CentOS Stream. Je pense que pour REL 10, on devrait avoir... de belles choses aussi qui s'en viennent. Donc, bref, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, beau rafraîchissement. Je vous invite à l'essayer, à télécharger. On est à 9.0. Ça demeure une version qui est stable, qui est supportée.
Donc, il n'y a pas de gêne, j'ai aucune gêne à vous dire d'utiliser REL9 en production aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde d'être venu, d'avoir étiré aussi aujourd'hui de quelques minutes avec les problèmes techniques. Donc, on va essayer de corriger ça pour que le prochain épisode, dans 3 semaines, on n'ait pas ces problèmes-là. Fait que merci tout le monde, puis bon week-end.